Salam Alice. Salut mes petits coups d'air, j'espère que vous allez bien. On est partoche aujourd'hui avec mes Dosh on the Dosh. Oui, effectivement, l'homme à la brioche. Bon, écoutez, maître coup d'air ici présent vous informe que là, on va se retrouver sur le jeu vidéo Dofus. Genre, j'étais là, tranquille, rentré avec ma petite capuche. Après, j'ai enfilé mon petit bandeau parce qu'il fallait que j'entraîne mes coudes en mode art martial, art martiaux. Pour le singulier et pour le pluriel, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et j'ai vu ma petite dégaine ça dans le miroir. Je me suis dit, putain, pas mal, on dirait un sportif de haut, height level, tout ça. Qui fait une petite pub et tout. J'ai fait deux pompes, je t'ai essoufflé. Fermons la parenthèse, les réseaux sociaux t'en as rien à cirer et que t'es juste là pour venir délirer, passer un bon moment avec mes doches et t'en aller. Et ben sur YouTube, quand t'ouvres YouTube, maintenant il y a des posts. C'est quoi un post? C'est comme si t'avais Twitter en gros ou Facebook, c'est un post tout simplement. Ça veut dire que par exemple aujourd'hui, tu vas sur YouTube, tu vas voir un petit post. Je vais mettre une photo de mon coude en train d'embrasser une autruche et il y aura marqué en dessous demain, le 18 octobre, nanana, vidéo de Roublard PVP, compilation. Donc ça veut dire que je pourrais t'informer via YouTube. C'était peut-être cool de te le dire, peut-être si tu savais pas. La théorie, on, voilà, c'est cool, c'est bien, machin truc, on s'emballise d'ouf. Mais là, on passe à la pratique, mon pote. On va sur le terrain. Ciao, bah on entre en scène contre un cra. Ouh, Macarena, Macarita, il va falloir que je fasse un truc... stylé. Je vais tenter de faire un truc stylé. Bon, alors je joue avec imposture et stratagème. Ça sera déjà bien. Je vais garder mon dernier souffle parce que je sais pas. Pardon, excusez-moi. J'ai trop l'habitude du dernier souffle. On essaiera de faire le piège manier ce gag plus tard. Donc là, je sens bien qu'il va y avoir une petite tentative de prise d'initiative. Ouais, voilà, c'était sûr. On va lui changer la coiffe. Ça devrait passer. Voilà. Au pire, on change aussi ça là. Il n'y a pas besoin, on change juste la coiffe du coup. On a 10%. Oh là là, c'est un crack qui va taper très fort, mesdames et mes couilles. Alors. On va foutre une bombe là. Comme ça, ça sera en ligne. On va faire ça. Comme ça, on va pouvoir jouer le stratagème. Par contre, on va essayer de couper la ligne de vue comme ceci pour essayer de nous rendre une bastos gratuite. Donc il y a Yeflay, donc stratagème, ça renvoie la bombe là-bas, ok, c'est parti, on va tenter des choses, hein. On est là pour tenter les choses, quoi. Après, on peut même faire des téléfrags, etc., que j'ai calculé un peu, je me suis dit que si un mec, il est là, ça veut dire que la bombe prend sa place, d'accord avec moi? Ok, la bombe a survie, elle reste solide sur ses appuis, ça va, elle a fait sa muscu du soir. 20h12 au passage, je précise l'heure si jamais ça intéresse quelqu'un, si t'en as rien à cirer, on continue le combat et on admire le gazon. Voilà, donc tac. Paf, donc tu vois ce qui est hyper intéressant là, c'est que le mec il se dit putain la bombe elle est loin, comment je vais faire, enfin comment il va faire de ça. Et là il se dit oula Starfoulex and the Dux, il est plutôt près de moi ce monsieur. Du coup ce qu'on peut faire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, bon, on va pouvoir le mettre dedans grâce à ce petit truc, sympatoche and the Dush. On va faire ça, on va lui mettre une bombe collante sur sa gueule, comme ça dès que je peux je détonne. Et puis on va lui mettre une petite flamige, hein, pourquoi pas. Bon, il a, je sais pas si c'est un vrai bouclier du slibar, mais si c'est un vrai slibar, ça réduit les dégâts de loin. Donc bon, je tape un peu moins fort, c'est pas très grave. Donc là, je me mange à moins un PM dans ma petite face. Ok. Moins un PM. Moins 3 PM. Bon, putain, mais... Bon, j'ai le roublabot, tu vois, ça m'a évité d'utiliser un roublabot ou quoi que ce soit. Le petit stratagème de chez Gem, je sais pas quoi. Il m'a enlevé ma PO ou pas? Évidemment qu'il m'a enlevé ma PO. Bon. Vu que j'ai pas de PM, c'est un peu embêtant. Parce que là, j'aurais pu peut-être finir. Mais là, je peux pas finir du tout. Je suis emmerdé. J'avoue que je suis emmerdé. On va se rapprocher. Moi, je peux même pas. Du coup, on va peut-être faire ça. Et la pousser, hein. On va tenter des trucs, hein. J'en sais rien, moi. On va passer son tour avec 4 PA, bon bah c'est pas grave. Franchement, c'était difficile, j'ai l'impression que c'est un nouveau roublard, limite, tu vois. C'est chelou. Bon, allez, va m'allumer ma race. Bon, ouf, ouf. Ah, c'est ça, c'est bah, pas... quand tu mets pas d'esquive, ça pique. Donc il va me voler des PM encore, non, c'est bon, je résiste face au retrait PM. Enfin, si il m'en enlève encore un, il va là ou là. Donc je m'en siphonne les coudes. Ok, tu bouges pas. Et il va me pousser, ça c'était sûr. Bon, ce qu'on va faire, je pense que c'est on va tenter de l'exploser sa daronne. Hein. Au bout d'un moment, je veux bien être gentil, mais bon, il y a des limites. Donc là, il lui reste 0. Bah, il a joué, ok.
Du coup, ce qu'on va pouvoir faire. J'aurais bien tenté un truc, mais je peux. On va plutôt partir sur un petit truc basique, histoire de clic clic du fin d'aran, je crois. Hein. Ça va partir en comme ça. En 1, 2, 3, vive la gestouffe! Bonne nuit, c'est à bientôt. Je te dirai, mon ami chaud, yo les fléaux. You make me. Ah, c'est vraiment un combat en vidéo, pardon. Alors, on est passé à Cyclova. Medosh and the Dosh pour la pub sportive Nike. Alors, on va essayer de déglinguer ces petits trucs là. C'est quoi qu'il a sur le visage? On dirait un vase cassé. Bon, on va quand même essayer de préparer une petite soupe de cric-cric douf. Qu'est-ce que je pourrais me foutre là? Peut-être. Peut-être plus de vie, plus de rock. Non, tu sais quoi, on va jouer comme ça. Est-ce que j'ai imposture? Il faudrait que je joue avec imposture. Est-ce que je suis un imposteur? Bah, c'est bon, j'ai imposture. Ok, c'est parti. Bon, il va peut-être essayer de prendre initiative. Bon, bon, on s'en calcule. Si fond. C'est bon, fond, fond, fond. Alors. Si je fais ça. Ça, ça. Et ça. On est face à un mouvement là, un mouvement rotatif. Hein. On aime bien ce qu'on voit, on aime bien ce qu'on voit. Donc si je fais ça, ça fait un téléfrag. Téléfrag, téléfrag, man. Ok, y a pas de soucis. Bon, on va rester comme ça. Je tente des choses, je tente des choses. On va essayer de montrer du beau jeu hein, avec la nouveauté. La nouveauté parfois peut faire scintiller les écrans. Hein. Ok, donc lui il va plus vers là-bas. Il va plus me coopérer ma bombe et rester avec moi dans un petit coin pour essayer de se la donner un petit peu. Donc là il est en train de se faire caca dessus apparemment. Hein, j'ai l'impression qu'il doit débuter sa créa. Qui se dit peut-être qu'il va se faire péter le. Ah ok, il se fait attirer. Ok. Mais là finalement on n'a pas trop peur quoi. Finalement on se dit que ça va. Le danger il est pas non plus méga présent. On va pouvoir faire ça. On va lui coller une. Ça, c'est bien ça. La Torah de la tempête, c'est bien. Et on va réfléchir. On va essayer de se placer pour pouvoir lui faire du sale. Si je me mets là. Ouais, je vais mettre là. Comme ça, je peux l'imposture, poser une bombe. Aïe, aïe, aïe. On va essayer de faire des choses, mes petits coudeurs. J'espère que vous allez bien et que vous avez déjà mis votre dessin du coude bleu parce que Medosh puisse sa force dans votre grande descente du coude. Alors, tac, tac, il se fait giflette. Bon, moi, je suis pas pris kaboum, hein, j'ai pris imposture. Donc, est-ce que je peux l'imposturer, lui? Bien sûr! Ça, c'est pas mal, ça. Hein. Ça, on aime bien. Hein. On aime bien le style. Hein. On apprécie le style du personnage. Ok, bon, là, j'apprécie pas trop me faire péter les fesses. Il s'est foutu comme ça. Ça veut dire que là, je peux tirer ma bombe. Mais il s'est mis carrément en face de la bombe, là. Ok, lui, il n'a rien à foutre, lui, ça se voit. Lui, il est plutôt dans le jeu m'en foutisme. Hein. Je conçois, je conçois. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ça. Ouais, il y a moyen. Bon, j'ai pas énormément de PA, mais on va pouvoir faire ça. Et ça. Bon, je voudrais bien aimer faire un cric-cric d'ouf. Mais on va essayer de proposer du beau jeu, plutôt. On va essayer de faire ça. Ok, donc on va se mettre là. Tac. On va essayer de. Bah, il a que 1149 de vie. Donc, il commence vraiment à se sentir mal. Donc, j'ai pas utilisé mon imposture sur un joueur encore. J'aimerais bien l'utiliser. Il m'attire. Ok, vas-y. Je sais même pas ce qu'il fait. Il a 30 survolés là. Il est sur les petits trucs gadgetiques là. Tu sais, les mecs qui font du slideboard là. Ou du freeboard. Ou j'en sais rien comment ça s'appelle. Tac. Tac, tac, tic, tac, 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 tac. Ça, ça retourne là-bas. Je suis en train d'essayer de calculer, mon gars. Je suis en train d'essayer de calculer ce qui. Oh merde, il m'a fourré ma bombe là-bas. Donc si je fais ça, elle va là-bas. Ok. Est-ce qu'on pourrait pas tenter de faire ça? J'en change de place avec lui. Je pète elle. Je viens là. Je le libé. Je cours là. Je cale une bombe là. J'aimante là. Merci d'avoir participé. C'était Medosh. Et bonne nuit. Voilà, élimination directe. Mon ordinateur qui me dit que la batterie est faible, c'est normal vu le nombre d'actions virulentes qu'il subit. Il ne peut que s'affaisser. Nous pouvons désormais vous proposer un troisième combat, mes coudeurs. Parce... You, on joue contre la famille, on joue contre la maison. C'est Partush, no Stanford. Bon, là j'ai tout mis là. Hein. Là j'ai tout mis, alors hein, j'en ai rien à faire. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, quand tu joues,
à la mode de chez nous, genre en dernier souffle, en tourloupe et kaboom, contre un roublard qui joue tous les machins là, t'as plus de chances de gagner en fait. Mais bon, c'est pas grave, on va tout donner quand même là. On va essayer d'appliquer les trois variantes, j'en ai rien à secouer. C'est parti. Alors, je joue avec. Je sais pas si c'est Worms de jouer avec ça en vrai. Peut-être faire ça, ça. On va se mettre un petit Dococox, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh non, au pire, un petit vin dommage feu, comme ça on tape encore plus fort. Donc, cet homme est. Ah, cet homme est d'élément. Cet homme est d'élément. D'éléments R, ok, donc on va tout de suite placer une bombe là-bas, on va l'aimanter pour jouer à la stratagème émiation. On va faire ça et puis on va progresser direct mon gars. On passe pas notre question. Comme ça après je peux la ramener, la foutre là et je le rush à grande tente. Là il va envoyer une espingole tout droit dans mon nez. C'est pas grave parce que oula la grenadine qu'en ce moment j'essaie de pas trop me curer le nez. Donc il y a des balous, il y a des boulards pépites qui se baladent là-dedans. Ok, donc lui ça fout. Alors lui il en a rien à cirer lui. Bon, il m'enlève mes 3 PM, par contre ça c'est un peu chiant. À croire que le mec il a mis carrément du retrait PM, ce qui est fortement possible, hein, j'en sais rien. Donc du coup ce qu'on peut faire nous c'est ça. Et du coup ça. Du coup là le mec dit: oh mon dieu, mais c'est quand même waouh ce que je vois. Hein? Tu vois? Voilà, il se passe des choses comme ça après. Après ça, je vous les étonner, ça que je comprends pas. Eh oui, mon gars, pourquoi le deuxième strata il est en bas? Bah parce que c'est la vie! C'est la vie! C'est la vie qui veut ça! C'est la vie qui veut ça! C'est la vie qui veut ça! Ouh! Parce que tu peux faire, c'est. Tu peux te dispatcher comme ceci. Et là, on est vraiment en train de tout utiliser là. Là, on n'a plus qu'un mur de 3 bombes. Dès le T2. Là, il se dit merde, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Je suis déjà à 4000 PDV, mais 1000 PDV sont envolés comme de la poussière! Ouh! Donc là, il va essayer de me chercher. Ah non, il va juste essayer de péter les bombes. Bon, je me suis rapproché de lui, comme ça, au moins, je peux faire des petites choses. Ce serait bien que je puisse utiliser mon piège magnétique pour lui mettre une rifle. Donc la maîtrise d'armes après avoir tapé, ça, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. On ne jugera pas son gameplay. Tac, donc il fait ça. Donc en vérité, si on fait une simple aimantation sur cet homme. Ah, on peut même virer sa bombe comme ceci. Oh là là, mais c'est génial ce truc. Putain, mais j'adore. On va essayer de faire du skill, hein. De la skillité comme ceci. Oh là là, mais. Et là, je me casse. Je me casse comme ça, il peut pas murer. Lui dans un mur, mais clic-clic d'où bientôt? Voilà, il était à 2500 PDV. J'étais à 4133 PDV. J'ai pas intégré un seul mur de mon Star Roublard. C'est peut-être un coup d'heure, mais il sait même pas ce que je m'appelle. Magneton! Il a un petit style tout rouge, hein. Moi j'apprécie. Hein. Un peu comme le Un peu comme le sol un petit peu chauffant par terre là, ouais, c'est. Ce sont des plaques chauffantes. Donc comment on va opérer cet homme? Il va faire ça. Ok. Il va sûrement en tourloupe. Ok, donc lui il joue vraiment à l'ancienne. Hein. Ah, il la joue à l'ancienne en mode balèque PVP. Tac, bon je peux pas choper ma bombe, ça c'est dommage. Paf, il va me pousser là, ok, bon ça c'est pas très grave. Moi je peux pousser ma bombe là. Bah. Merde, 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 merde. On va virer elle, on va faire une petite aimantation pour revenir chez la famille. Chez la face gag. Ok, normalement je pénètre pas de mur. Faire ça, on va protéger elle. Ah, je suis en train de réfléchir là. Je suis en train de réfléchir, mon ami. Alors je sais pas si je vais la protéger, sinon il va la désosser. Hein. Je pense, hein, en vrai de vrai. Si je me fous là, il peut mettre dans un mur ou pas? Non, il aura pas le cerveau, il aura pas l'imagination, il aura pas le talent. S'il vous plaît, j'espère que ce que je dis c'est vrai. Sinon je vais prendre du sale. En vrai, je serais lui, je viens là, j'ai monte sur elle, je kaboom, parce que je pense qu'il joue pas avec les sorts variants. Il vient là, il aimante. Ou au pire, il fait ça. Hein. Ok, il va péter elle et. Ouais, ok, il va courir ce que là pour mettre un mur. Ouais, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais. Mais bon, là, il se met un peu en insécurité, non? Ah, ok, il explose. Oh, il en a rien à faire, lui. Ah, oh, c'est grave pas son problème. Donc, ce qu'on peut faire, nous, c'est ça. Aïe, 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 merde, j'ai oublié ça. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, pour faire ça, bon, bah là, il n'y a pas de technicité à voir. Hein. Là, c'est de la cri-crix d'offense comme on aime. One, two, three, vive à l'Alger! Il se couche à la troisième corde, John Cena! John s'écoute! Qui frappe de plein fouet son adversaire!
Donc si cette petite vidéo vous a plu, mes petits coups d'œil, moi je vous fais des zoubis. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, si vous avez apprécié, si vous trouvez qu'il y a d'autres moves à faire qui sont plus intéressants, que j'aurais pu faire d'autres choses. Your code is dangerous, man. Yes, it's very dangerous too. Tout va bien. Tout va bien. Petit, tout va bien.